Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons découvrir une chanteuse marocaine, Oum, qui sort son troisième album, Daba. Alors, vous avez déjà entendu de la musique d'Oum. Elle est originaire de Casablanca. Son vrai nom est Oum El Raid Ben Sahraoui. Elle s'est d'abord destinée à l'architecture, avant d'embrasser une carrière dans la musique. Et depuis, elle a attiré l'attention des médias. Et nous allons tout de suite, avant même de définir un petit peu plus ce qu'est la musique d'Oum, l'entendre dans une très très belle chanson, le Chajra, l'arbre. Exprimé à travers une poésie économe de ses mots, dépouillée de tout artifice, les thèmes abordés dans ce troisième album rejoignent les préoccupations générales de sa conceptrice, son humanisme, son féminisme, sa spiritualité, son souci constant d'une nature mystique, mystérieuse et protectrice comme vous l'avez pu sentir dans le Chajra, qui est une ode à la nature,
Tout comme le deuxième morceau que vous allez écouter maintenant, voici. D'une manière générale, l'orchestration chez Oum demeure globalement acoustique, mais quelques sons électroniques habillent pour la première fois des chansons pour évoquer des problématiques qui lui tiennent à cœur, comme la migration des peuples, Tamma là-bas, le sort des exilés, mais également avec des mots lumineux, Kemmi, toi, en arabe marocain. La chanteuse s'adresse avec douceur et compassion aux femmes qui subissent encore des destinées imposées par le patriarcat. Nous allons tout de suite donc l'écouter dans Kemmi. هذاك الدايت كمية
dad que tin me tenet hakti ghradin w bnou flastik mi slakh nkib sanem arsem qad khas barnam kemi ortgit wahdoukum kemi ortgit wahdoukum se positionne comme une Marocaine, une Africaine, une femme du monde convaincue que les barrières culturelles pèsent moins que ce qui peut nous rassembler. Et en fait, elle touche au spirituel avec cet album, ce troisième album d'Abba. Alors, et si on l'écoutait ce d'Abba ? Ah, 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 ah.
découvre une artiste généreuse qui réalise une fusion inédite et d'une grande authenticité. Je dois vous dire que les concerts s'enchaînent, permettant à ce groupe soudé de gagner encore en cohésion. Et quelques mots sur les musiciens, Yaoum dans le vocal, Yassir Rami au oud, donc au luth, Damien Nueva au double basse et électrique basse, Camille Passeri, trompette et bugle, Omar Chaoui, percussion, Carlos Mejas, sound, design et saxophone. Alors, nous allons terminer avec, vous voulez bien, Sadr.
quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.